Delvalière et j'ai décidé de faire une petite vidéo spéciale pour la Saint-Valentin. J'ai choisi 4 couples avec plus de 58 ans de mariage. J'en ai profité pour leur demander quelques conseils à savoir comment perdurer notre amour dans notre couple. J'ai fait un petit quiz et je vous laisse regarder ça. C'est une histoire un peu... C'est pas banal, mais on s'est rencontrés sur la patinoire à l'aréna ici à Drummondville. Le vieil aréna, non? Oui, le vieil aréna que vous avez sûrement pas connu. À l'époque, c'était la mode, les filles patinaient. C'est-à-dire, on patinait en couple ou seul. Quand on patinait seul, ça voulait dire qu'on était disponible. Alors, moi, je patinais, puis Laurent m'a demandé, « Viens-tu patiner? » J'ai dit oui. Puis ensuite, il est venu me reconduire, parce que puis apporter mes patins. Oui, c'est aussi, ça, à l'époque, la galanterie. Hein? Oui, le garçon portait les patins de la fille. Il m'a reconduit, puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est aussi simple que ça, aussi wow. ordinaire que ça. Ah, c'est vraiment une belle histoire. C'est la première fois que j'entends ça. Ah oui? Mais oui. Sur la patinoire. C'est pas si banal que ça, moi, je trouve. Bien, moi, Marie-Claude, c'est la femme de ma vie. Je n'ai jamais eu d'autres d'ondes sérieuses. Quand je... mm-hmm. Puis c'est une très belle vie. Comment vous êtes ensemble? Comment est-ce on est que ensemble? Vous êtes tannant, calme? Ben, on a de l'humour. OK. On a de l'humour ensemble. Oh. On se respecte beaucoup. On est parti de rien. Puis on s'est bâti. On est des fils et filles d'ouvriers. Puis, ensemble, c'est un très beau couple, pour moi en tout cas. Mm-hmm. Tu es d'accord? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, je pense que on se respecte beaucoup. On est différents, puis on a toujours, on n'a jamais essayé de se changer l'un ou l'autre pour devenir comme l'autre. On a appris à aimer ça, nos différences. OK. On les trouve complémentaires, puis fait que c'est sûr, ça demande du respect. C'est sûr que dans les premières années, on se demande comment ça se fait que l'autre est comme ça, puis que moi, je suis pas comme ça. Puis s'il était comme ça, ça serait mieux, mais c'est faux. On apprend avec la maturité à reconnaître que les différences, c'est pas toujours négatif, que c'est même positif. On apprend aussi à se servir des forces de l'autre. Oui. C'est par exemple, la distribution des tâches. Un exemple, Marie-Claude est très bonne en comptabilité, puis elle s'en occupe. Moi, j'ai d'autres forces que... Mais on n'embarque pas un sur l'autre. Oui, c'est ça. Moi, je suis zéro technique. Puis, Ah, ben, c'est vraiment beau. C'est ça. Y a-t-il un exemple de différence que vous avez accepté? Ah oui. 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 Laurent, il est vite. C'est dans sa nature d'être vite. Il marche vite. Il mange vite. Il est vite. Puis moi, je suis plus lente, plus contemplative, plus... Moi, plus contemplatif. J'aime ça faire les choses lentement, mais bien faites, parce que je suis un peu minutieuse. Fait que ça, c'est vraiment une différence, parce que ça occupe beaucoup de place dans une vie, notre vitesse, là, notre façon d'être. Parce que dans le fond, c'est notre façon d'être. Ça vous a pris combien d'années à accepter sa vitesse? C'est long, c'est difficile à dire parce que ça se fait graduellement. Mais même encore, des fois, quand je le vois, je dis, hey, lui, il ralentit, tu sais. Ralentit. Mais. Parce que ça a dû être un irritant. Oui, ça a pu l'être, oui. Alors, OK, ça peut l'être encore. C'est un travail encore après 65 ans. Ben oui, parce que si on va marcher ensemble, il faut qu'il ralentisse, puis il faut que j'accélère. Donc, ça peut être un irritant. Tu sais, c'est ça semble simple de marcher, mais tu sais, moi, quand je marche, je contemple. Laurent contemple aussi, mais vite, plus vite. Mais c'est un homme, qu'est-ce que voulez-vous? Ben, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais... Il y a des hommes qui sont là aussi. Oui, c'est ça. C'est juste que moi, c'est... À l'époque, je ne vois pas vite, je vois à mon rythme. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'il me dit toujours. C'est bien dit.
Oui, c'est ça qu'il me dit toujours. Mais pour moi, c'est tout. Donc là, est-ce que vous êtes prêts à jouer avec mes petites questions? Oui, bien sûr. Qui a fait les premiers pas pour aborder la question? Donc, les premiers pas, c'est qui a approché l'autre en premier? Pas quand on s'est connus. Oui, la première fois. Là. Donc, attendez, là, c'est bien important. Là. C'est un jeu, puis il y a des points, là. Oui. Oh. Fait que là, faut pas que l'autre voit la réponse de l'autre, sinon vous trichez, puis ça, c'est tout filmé, là. OK. Fait que là, faut que vous cachiez votre réponse, un peu le même. Vous avez écrit votre réponse? Oui. Donc, à go, vous tournez votre tableau. OK, un, deux, trois, go! Non, mais pour vous montrer moins. Bon. On le vérifie avant. C'est bon, c'est bon. Mais là, Marie-Claude, Madame Marie-Claude, oui. Là, les gens à la télévision, là, ils ne voient pas votre réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? L'écrit lui. Bon, lui, parce que c'est. Comment c'est... vous avez écrit ça, là? Elle a pris un tout petit coin, tout petit coin, en haut à gauche. Je pense que c'est qu'on passe un zoom là-dessus. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, mais moi, je vais jamais... On veut voir la vérité. Je vais jamais m'étendre sur... non, c'est pas dans ma nature. Ouais, ça, donc là, vous pouvez effacer votre réponse. Moi, je reconnais dans ça, là, qu'elle prend sa place. Moi, je la prends, mais différemment. Ben oui. Mais vous avez gagné un point, là. OK. Oh. Donc là, la deuxième question. Qui a dit « je t'aime » en premier? Oh, on voit ici M. Laurent qui a déjà sa réponse. Ah oui. Ça se vite. Et Mme Marie-Claude qui a comme réponse? J'ai vu plus de problème. Go! Ouais. Ah, c'est beau! Oui, parfait. C'est ça. Donc, un deuxième point. Prochaine question. Quelle est la plus belle qualité de monsieur? Donc, vous écrivez qu'est-ce que vous pensez qui est votre plus belle qualité et que vous pensez que madame... Ben madame, qu'est-ce que vous pensez que qui est sa plus belle? Ouais. Oui, OK. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va écrire? Qu'est-ce qu'il va écrire? Ma plus belle qualité. C'est difficile quand on parle de nous et non de notre partenaire. Ténacité. Qu'est-ce que vous avez écrit? Ah! Bon! Ténacité! Wow! Donc, la prochaine question. Quel est le plus gros défaut de madame? Et puis, vous, c'est ça, vous écrivez qu'est-ce que vous pensez qui est votre plus gros défaut. Qu'on est parfaite. Ouais. Voyons donc. Elle est bonne, celle-là. J'en ai beaucoup. Je vais vous demander de mettre la pancarte. C'est juste technique, mais devant vous, puis qu'on voit votre visage, mais devant vous quand vous allez réussir. Ah! Ah, intéressant. OK. Puis-je voir? Mais oui. Manque de confiance. Ah. Et pessimiste. Ah. Est-ce que c'est vrai? Oui. En gros, oui, mais c'est pas dans... En conduite automobile. Ah oui! Oui, par contre, il y a... Oui, j'accepte ça, oui. Moi, j'ai mis pessimiste, puis je pense que c'est pas... Je pense pas que ce soit contradictoire. Pour moi, là, c'est pessimiste, peut-être d'anticiper que des choses peuvent être un échec avant même qu'elles soient réalisées. Tu sais, j'ai peut-être tendance à faire ça. OK. Wow. Je pense que ça ressemble à ça un peu. Oui, ça peut se rejoindre, oui. Ouais, ça peut. C'est pas loin, en tout cas. Ouais. C'est juste la façon, la longue vue qu'on prend pour regarder l'affaire. Quel est le plat préféré de monsieur? Un, deux, trois, go! Rose beef, OK! Et puis, est-ce que c'est monsieur ou madame qui cuisine plus souvent le rose beef? Madame. C'est madame, oh! Oui. Mais on joue beaucoup dans la cuisine ensemble. Oui. OK. Oui, on cuisine. Ah, mais c'est le fun. Le maître des recettes, tu l'as. OK. Ouais, c'est ça. Mais c'est Laurent qui achète le morceau de bœuf. Ah! Prochaine question. Quelle est l'émission préférée de madame? L'émission préférée de madame. Ouais. Comment ça s'appelle?
peut-être dire une personne qui joue dans l'émission, peut-être, là, si vous ne vous rappelez plus. Donc, l'émission d'après. Ouais. Ah, ben là, vous avez donné un indice. Là. Ok, je vais le dire. Ben, il est vite, lui. Ouais. Je vous ai pas compté des blagues, hein? 1, 2, 3, go! Montrez votre visage. Coulisses du pouvoir et mordu politique. Ah. Oh! Ça se ressemble. Mm. C'est dans le sujet politique. Oui, coulisses du pouvoir. Coulisses du pouvoir, c'est une émission de politique qui passe le dimanche midi. Le dimanche midi à 11h. Tandis que les mordus de politique, elles passent tous les jours à 12h30. Ah, fait que vous êtes une mordue de politique, en fait. Oui, ben, j'ai de l'intérêt. Puis, vite, vite, l'émission préférée de votre mari, c'est? Ben, c'est toutes les émissions de sport. Ah! Le football, beaucoup. Oh, bientôt beaucoup. Le Super Bowl? Oui, oui, ça c'est précieux, ça, oui, 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 oui. La prochaine question, là, c'est quelle petite attention que monsieur fait qui vous rend heureuse, qui vous fait rayonner quand il le fait? Là? Ça peut être une toute petite attention. Là. Je vais dire la bonne. Oui, c'est vrai qu'il en fait beaucoup, Laurent, oui. Bien, d'abord, on a chacun notre chambre. Tous les matins, je me lève le premier, puis je vais la voir dans son lit. On se colle un petit peu, à peu près 4-5 minutes, de toute façon, c'est là qu'on va déjà. Ah, c'est beau ça. Est-ce que c'est ça que vous avez écrit? Tous les matins, il vient me dire bonjour. Oh, c'est beau! Oui, ça, c'est un gros, gros 10 points. Oh, oui! Je suis contente que tu aies choisi celui-là. Ah oui? Bien, c'est parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai que celui-là est très important. Ouais, ça commence bien la journée. Tous les matins depuis 65 ans? Ben non, avant, pendant longtemps, on avait rien qu'une chambre. Mais quand on avait des enfants. C'était plus facile. Oui, on avait juste une chambre. Moi, je l'apprécie, j'aime ça. C'est un bon petit collage. Ça commence bien la journée. Oui. C'est agréable, c'est bon. Quelle est la plus grande peur de monsieur? La plus grande peur? Oui, votre plus grande peur. De monsieur? Ouais. OK. Donc, là, vous avez fini votre réponse. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, d'après moi, là, sa plus grande peur actuelle, parce qu'on est dans l'actuel en ce moment, c'est probablement de devenir malade, là, soit Alzheimer ou d'avoir des problèmes de santé importants. Je pense que ça doit être un peu dans ça. Sa plus grande peur actuelle. OK. Vous pouvez... C'est l'âge aussi, là, tu sais, quand on vieillit puis qu'on sait qu'on n'est pas éternel, on n'est pas innocent, là, c'est sûr que... Oui, on y pense plus. On ne pensait pas à ça quand on était jeune, mais jamais on pensait à ça. Quand est-ce qu'on sait qu'on n'est pas éternel? Quand les gens autour de nous commencent à partir, ouais, tu sais, c'est... souvent, parfois, mais c'est des gens du même âge que nous, des gens plus jeunes qui partent. Puis, parce que quand on est jeune, on s'imagine qu'on va qu'on va mourir dans beaucoup, beaucoup de temps. Là. On sait même pas, on voit même pas la possibilité qu'on va mourir. Mais quand on commence à voir des gens qui autour de nous partent rapidement, hein, parfois. Quand on est rendu sur la ligne de front aussi. Oui, il n'y a plus personne en avant de nous, là. Mm-hmm. T'es sûr que ça... Bon, ben, c'est une bonne réponse. Elle se fait réfléchir. Totalement, oui. Quelle partie du corps de votre partenaire vous préférez? Ah! C'est beau, yeux bleus, visage. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui m'a attirée physiquement quand je l'ai connu. C'est vrai qu'ils sont... Les yeux bleus, ils sont particuliers. Particulier. Oui. C'est beau. Le visage au complet. Oui.
Ah. C'est beau, c'est beau. Auriez-vous des conseils à partager à un jeune couple afin que leur amour traverse dans le temps? Ben, moi, je dirais rester fort et autonome. Parce que moi, je me dis, tu ne construis pas une force avec deux faiblesses. Si les deux personnes sont deux personnes fortes, équilibrées, solides, qui continuent parallèles, c'est bien. Est-ce que vous ajouteriez quelque chose? Moi, j'endosse ça, c'est sûr, mais aussi, je pense que ça... C'est le respect. Je pense qu'il faut apprendre à se respecter puis pas vouloir changer l'autre, accepter. On accepte ou on n'accepte pas, là. Je pense que si on s'aperçoit qu'on n'est pas capable d'accepter certaines choses, comme par exemple des personnes... Moi, j'ai connu des personnes qui disent il est alcoolique, mais quand on va se marier, on va se mettre tellement fort qu'il ne boira plus. Bien, ça, je ne crois pas à ça, moi. Fait que c'est faut savoir ce qu'on veut, puis il faut se respecter dans ça, puis ensuite, bien, c'est de respecter l'autre aussi dans ce qui est. Fait que... Bien, moi, je voudrais ajouter aussi, surtout ne pas être dépendant de l'autre. Surtout, c'est la pire chose. Dépendant comment, là? Dépendant, je ne suis pas capable de faire ça tout seul. Il faut toujours que l'autre soit là pour m'appuyer. C'est bon qu'on se consulte, mais il faut être capable de fonctionner seul aussi. Ah. Ah ben, je vais rentrer ça dans mon sac à dos, puis je vais essayer de l'appliquer. Juste une petite question pour moi, là. Oui. Pas écrit, là, juste la plus belle qualité de l'autre personne, c'est quoi? La plus belle qualité des deux. Il y en a un qui l'a dit tantôt, la ténacité pour vous, mais elle, c'est quoi sa plus belle qualité? Bien, sa droiture, son honnêteté, puis fidélité aussi. Quand on prend des engagements, tu sais, quand les gens parlent de fidélité, on pense toujours sexuellement, mais être fidèle à des engagements qu'on a pris, tu sais, par exemple, dans l'éducation des enfants, tu sais, on dit on va aller dans telle ligne. Mais si quand un des deux n'est pas là, c'est le free for all. Puis, moi, je pense que la fidélité, c'est très important. Ah. À l'engagement. Ah, c'est beau. Ah, ben. J'aime ça. Hey. Ouais. On vous souhaite un autre 65 ans. On aimerait ça, mais on va y aller une année à la fois. Oui, bien, un gros merci d'avoir participé à mon petit quiz. Puis, là, c'était écrit fin, là. Ouais. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Pour ma part, ce que je retiens, c'est la communication. Même si on se parle fort, l'important c'est quoi? Ben, c'est de se parler. Les Résidences Pelletier, créateurs de bien-être.